À tous. Rebonjour pour certains. De retour ici à Canet-en-Roussillon pour cette deuxième demi-finale du FIP Prize. Et nous avons vraiment un très gros match au programme avec nos derniers rescapés français, JT Perrault, Adrien Maigret, qui sont au retour. 30-15. Face à eux, Arroyo Ortega, une excellente paire espagnole. On le rappelle, hein, Alex Arroyo, l'homme qui a battu Juan Lebrón et Ale Galán au championnat d'Espagne en 2019, l'homme qui s'est procuré une balle de match face à Fernando Belastegin et Sanyo Gutiérrez cette saison sur le World Padel Tour. C'est l'homme à abattre. Et voilà, la tâche va être très compliquée pour nos deux Français, mais avec le public ici à Canet-en-Roussillon, pourquoi pas. 40-30. Vous allez voir Alex Arroyo, 1m88, un joueur de gauche qui frappe tout ce qui bouge. 1-0 dans ce premier match. Ah, très bien joué la feinte là d'Adrien Maigret, c'est sublime. Et ça fait 40-15. Les Français qui sont très bien rentrés dans cette rencontre. On a peu parlé hein, au retour. Mario Ortega, Ripoll. Un très très jeune joueur. Il n'a que 18 ans. Il fera ses 19 ans en fin de. En fin d'année. Et là, on a Maigret et Perrault qui ont recollé. Oh, très bien joué, JT.
J'étais au retour là qui surprend. Ça fait 0-15, peut-être une possibilité. Bien joué Adrien, ça fait 0-30. 0-30. Il ne peut pas contrôler ce contre. 15-30. Thomas, ça fait 15-30. Mais ils gênent leurs adversaires espagnols en ce début de match. Pourquoi pas faire le break ? Ça serait bien inspiré. Royo qui lobe là très haut sur Maigret. Il a un peu manqué. Et punition directe. Alex Arroyo. Dès qu'on lui donne une opportunité, il la saisit. Il envoie son coup de canon. Ouais, et là encore une fois, il passe. JT Perrault avec une aisance. 40-30. Et ça fait jeu pour les Espagnols. Jeu Arroyo Ortega qui met 2-1 dans cette première manche. A tout de suite.
don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. New Cooper Fermenter, e-hybrid.